Comment classifier un lumbago, un mal de dos? Ben, c'est très simple, il n'y a que deux types. On a les lumbagos aigus et les lumbagos chroniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Lumbago, ça veut dire mal au dos. Aigu, ça veut dire ici et maintenant, je viens de me faire mal. Ah. Et chronique, c'est ben, j'ai mal depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qui se passe en général dans l'histoire de la maladie? Ben, c'est très simple. Je me penche en avant, je me fais mal. J'essaie de cicatriser. Ça marche moyen, je ne retrouve pas toutes mes capacités, je suis bloqué en amplitude, j'arrive pas à bouger comme je veux, mes muscles vont s'affaiblir, donc là je vais progressivement devenir chronique. Donc entre le moment où je me fais mal et le fait que je vais commencer à cumuler des séquelles, il va se passer 4 semaines en général. Donc à partir de 4 semaines, je vais cumuler des séquelles jusqu'à 3 mois, et à 3 mois, si je ne suis toujours pas guéri, je vais avoir de la fibrose, des cicatrices de mauvaise qualité, une perte de muscle, de force musculaire qui va s'installer. Et je vais commencer à devenir chronique. Donc la première fois, ça va aller. Même si je ne fais pas grand-chose, ça va aller. Je vais avoir une cicatrice de mauvaise qualité. Mais après, au fur et à mesure, comme je suis de mauvaise qualité, moins souple, moins fort, il est plus facile de me refaire mal de manière aiguë, de re-avoir une blessure ici et maintenant. Donc j'ai ma vieille blessure qui n'a pas bien cicatrisé. Je me refais mal ici et maintenant. Je vais encore une fois pas bien cicatriser. Et là où j'étais, je ne sais pas, ici j'étais moyen, ben là ça va moins bien. La deuxième fois, ça va aller encore moins bien. Et ainsi de suite. On va diminuer de qualité de dos en souplesse et en force. Et évidemment, c'est ces deux paramètres qui vont déterminer mon niveau de douleur chronique. Plus je suis raide, plus je manque de force, moins ça va aller. Et au côté aigu, en lumbago aigu, eh bien, plus vite je récupère, moins j'aurai de séquelles et moins je vais aller vers le lumbago chronique. Donc à la question, quand j'ai un lumbago aigu, est-ce que je peux récupérer à 100%? Oui, faut faire les trucs. Voilà, si on fait rien, ça va être compliqué. Par contre, si on fait les choses comme il faut, c'est-à-dire bah, je vais montrer après parce que ça prend pas mal de temps à expliquer. Mais vous verrez que c'est tout à fait possible de revenir comme on était avant, sans gêne, sans douleur, et refaire ce qu'on était capable de faire avant.